Bonjour, chers élèves, bienvenue. Aujourd'hui, on va voir la correction des activités de la COS, page 95. Prenez, s'il vous plaît, votre manuel Mes apprentissages en français pour 6e année primaire et suivez avec moi. Alors, pour la correction du premier exercice, relève l'expression de la COS dans chaque phrase. On lit d'abord, comme Karima est malade, il ne peut pas voyager. Selim ne peut pas voyager en TGV car il n'a pas de billet. Ton papa n'est pas content parce que tu as de mauvaises notes en dictée. Il est tombé malade par manque d'hygiène. Vous êtes en bonne santé grâce à votre activité sportive. Alors, je cherche toujours les moyens de la cause. Comme, car, parce que, par manque, grâce à. Et l'expression sont comme suit. Comme Karima est malade, car il n'a pas de billet. Parce que tu as de mauvaises notes en dictée, par manque d'hygiène, grâce à votre activité sportive. Alors, transforme les phrases suivantes en employé grâce à ou à cause de. Grâce à, c'est pour bénéfique, c'est quelque chose qui est bénéfique. À cause de, c'est quelque chose qui est négatif. On dit puisqu'il est blessé. Il ne peut pas sortir. On dit à cause de sa blessure. Il ne peut pas sortir. À cause de sa blessure. À cause de plus non. À cause de sa blessure, il ne peut pas sortir. À cause de son manque de moyens, il ne peut pas voyager en TGV. Grâce à l'argent, je peux m'acheter un billet aller-retour. À cause de sa blessure, il ne peut pas sortir. À cause de son manque de moyens, il ne peut pas voyager en TGV. Grâce à l'argent, je peux m'acheter un billet aller-retour. Alors, on passe maintenant à la partie d'évaluation. Alors, complète par une expression de cause. Elle reste à la maison, il n'y a pas classe. Elle reste à la maison car il n'y a pas classe. Ou elle reste à la maison parce qu'il n'y a pas classe. Il ne peut pas acheter ce livre parce qu'il n'a pas assez d'argent. Il ne peut pas acheter ce livre car il n'a pas assez d'argent. On peut choisir aussi grâce. Nous avons réussi grâce à nos efforts dans notre persévérance. Comme il est fatigué, Amito reste au lit. Il ne peut pas se déplacer seul à cause de son handicap. Alors reste à la maison car il n'y a pas classe. Il ne peut pas acheter ce livre parce qu'il n'a pas assez d'argent. Nous avons réussi. Grâce à nos efforts de notre persévérance, comme il est fatigué, Aminato reste au lit, il ne peut pas se déplacer seul à cause de son handicap. Alors pour deux, transforme les phrases suivantes en employé grâce à ou à cause de. Bon, transforme les phrases suivantes en employé grâce à ou à cause de. On dit, puisqu'il est fatigué, il ne peut pas aller au travail. À cause de sa fatigue, il ne peut pas aller au travail. Il a réussi son examen car il a beaucoup travaillé. On dit, il a réussi son examen grâce à son travail. On cherche toujours le nom. Grâce à plus non, à cause de plus non. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que cette vidéo était vraiment bénéfique pour tout le monde. À la prochaine.